Et bienvenue à mon atelier. Aujourd'hui, nous allons décorer un très joli cœur qui va être suspendu, puis que ça peut servir pour un mariage, pour Saint-Valentin ou pour la fête que vous aurez besoin. Et pour ça, voici la liste des matériels utilisés. Une feuille de papier cartonné, on la plie en forme de triangle. On dessine un cœur et on coupe. Par la suite, on marque la forme du cœur sur un fond cœur et on taille à l'aide d'un exacto. Et voilà notre cœur. On va utiliser des petites feuilles vertes auxquelles nous allons coller des petites tiges métalliques. D'abord, on coupe et ensuite on colle. On introduit les tiges en les collant sur les côtés du cœur. Voilà! On a terminé. On introduit une première rose au centre. Il faut introduire une tige de métal à chacune des roses. On introduit la rose tout le tour du cœur. On a fini le tour de notre cœur. Continue à fixer les grandes roses. On débute par les centres. On a fini les centres et maintenant on poursuit en fixant des petites roses avec des pétales vertes pour harmoniser avec les feuilles vertes du contour. On coupe en laisse, on plie en deux, on croise et on colle les bouts supérieurs. On colle derrière les deux extrémités de façon symétrique. On colle le cœur en carton pour couvrir l'arrière de notre décoration. Nous avons ici plusieurs rubans de différentes grandeurs qui serviront à former une boucle décorative pour la partie supérieure. On plie en deux et on coupe de cette façon. On croise au centre, on laisse agrafe au milieu. Pour la boucle suivante, on plie de cette façon, on agrafe. On procède de la même façon pour celle-ci et on agrafe. On attache un ruban en faisant deux nœuds. Par la suite, on va la coller à l'attache qui sert à suspendre la décoration. Finalement, on va installer une fleur au centre de notre boucle pour couvrir les broches apparentes. Et voilà, notre joli cœur est terminé. Merci pour votre visionnement. On se retrouve dans mes prochaines capsules. N'hésitez pas à vous abonner et partager. À bientôt!